Le monde du cinéma africain est en deuil. Il vient de perdre l'un de ses fils. Il s'agit de Didier Ndenga, réalisateur congolais, décédé le 21 mars à Paris où il résidait. Salut mesdames et messieurs, bienvenue à ce nouveau numéro de votre magazine Bomoko Film. Didier Ndenga, le réalisateur congolais de la série River Hotel n'est plus. C'est depuis le 21 mars dernier, il est le premier réalisateur noir africain à avoir été honoré par le Sénat français. Suivez l'interview qu'il a accordée à nos confrères de TV5 Monde, accompagné de son actrice Abby Touri. Je te couvre financièrement et tu me couvres politiquement. C'est une menace. C'est indigne. Qu'est-ce qu'il y a? J'ai un mauvais pressentiment. C'est une série populaire et qui rassemble vraiment beaucoup de personnalités du cinéma et de la musique africaine. Mais c'est comme si un peu on rassemblait Johnny Hallyday, Francis, comment il s'appelle, Vanessa Paradis. Moi je dis toujours, River Hotel c'est un événement. C'est un événement, c'est pas qu'une série, c'est un événement parce que même nous-mêmes, au fur et à mesure, on découvre que nos acteurs sont des stars. Donc c'est au fur et à mesure que je découvre parce que pendant le tournage, il y a quelque chose qui m'a choqué. Pendant le tournage, il y a une journée qu'on n'a pas tourné parce qu'il y avait un acteur comme Majid Michel. Il fallait chercher la police pour sécuriser et tout. C'était vraiment compliqué. Et on n'était pas préparé à ça. Les bons côtés, surtout ce qu'il a voulu montrer à Didier, le réalisateur des River Hotel, c'est l'Afrique qui gagne. L'Afrique du côté positif. Parce qu'on a assez regardé l'Afrique malade, l'Afrique pauvre, l'Afrique. Bon, on veut aussi montrer ce côté-là d'Afrique qui gagne. C'est Marco. Je suis directeur de l'établissement. Marco, c'est le plus grand trafiquant de la région. Je vais faire de la politique. Tu crois que je ne suis pas au courant de tes amourettes? Le pays est très difficile. Tout le monde est corrompu, les policiers, les politiciens. De toute façon, on ne peut pas louper la série puisque sur TV5, si on n'a pas la chaîne TV5 en France, on peut regarder sur les applications à TV5 Monde sur le portable à tout moment. Donc c'est l'événement qui continue. C'est ça que j'ai dit. Même nous-mêmes, l'équipe de la production, on suit maintenant. Parce qu'au fur et à mesure, on sera diffusé dans le monde entier. Et tout le monde va découvrir, surtout ils vont découvrir l'Afrique. Ils vont parler de Kinshasa autrement. Parce que dans River Hotel, on essaye d'ouvrir Kinshasa au monde. C'est ça qui justifie aussi le casting international, un peu panafricain et international en même temps. Parce que quand on a des acteurs comme Eric Ebouané, Princesse Esther Kamatari, Afali Poupa aussi, actuellement il est au top. Donc c'est sa première fois et il est dans River Hotel. Hey Kélia. Henri. Je te dérange pas j'espère. Je suis juste en train de lire un livre. Je peux me poser à côté de toi? Vas-y. Je suppose que ton père n'est pas là. Non, tu voulais le voir? Entre autres, j'espérais tomber sur toi. Ah. J'ai appris que tu avais quelques jours de congé et je ne pensais pas te voir ici. C'est ça qui était le challenge. Le challenge, c'était de faire cette série de 52 épisodes et tourner au Congo, à Kinshasa. Je crois que c'est la première fois, même à Kinshasa, c'est la première fois qu'ils ont eu cette visibilité. Et puis aujourd'hui, je suis content parce que ça sera dans le monde. On va parler du Congo, on va parler de Kinshasa, on va parler de River Hotel. Et c'est pour ça que je suis très content. Quoi. Il faut dire aussi que c'est la première fois River Hotel va faire l'ouverture aussi des fictions africaines qui vont passer sur TV5 Monde. C'est difficile, tout le monde est corrompu, les policiers, les politiciens. À deux, on peut faire un bon travail ensemble. Je pense que l'Afrique doit, entre nous, d'essayer de commencer à changer, bon, pas à changer, de parler aussi ce qui existe qu'on n'a pas l'habitude de parler. Donc c'est pour ça que nous, avec Abby, on a commencé
aussi par River Hotel. Mais non, mais avant déjà, on a fait Aimer Malgré Lui, qu'on a parlé de Bangui Centrafrique. Et là, aujourd'hui, on a sur River Hotel qui est encore plus costaud que oui. Aimer Malgré Lui. Donc voilà quoi. Ça pourrait me mettre en colère. Je déteste cette fille. Toujours si gentille, si douce. Forcément suspect. Oh. Je vois que vous vous êtes retrouvés. Jack, qu'est-ce qui se passe-t-il? Qui est cette fille? Je suis chanceuse, je peux dire, et d'être dirigée par le réalisateur, le formidable, plus visionnaire, je pense, en Afrique. Didier Ndanga. Je pense qu'on est obligé de parler de saison 2 parce qu'au Congo, aujourd'hui, tout le monde parle du River Hotel. À Brazzaville, parle du River Hotel. Kinshasa parle du River Hotel. Au Cameroun, partout. Donc, River Hotel, c'est un événement mondial. Didier Ndenga était un chasseur et un passionné d'images qui a réussi à s'imposer dans l'univers du cinéma africain. Sa vie et sa carrière, c'est à découvrir dans les scripts suivis. Yo Pedro! Je vais vraiment voir ce que je peux faire. Je vais prendre le risque. Kélia, je te le demande humblement. Veux-tu m'épouser? Vous avez tout planifié depuis le début. Vous serez jugé et condamné, Marco. Originaire de la République démocratique du Congo, Didier Ndenga commence à aimer les métiers du 7e art dès son enfance. Mais c'est après avoir obtenu une caméra en cadeau qu'il commence à réaliser ses premiers courts-métrages. Le Congolais Didier Ndenga fait un bac d'électrotechnique en Normandie avec l'ambition de réussir un jour dans les métiers du cinéma. Par la suite, il poursuit des études supérieures de communication et obtient un diplôme professionnel de technicien d'image, spécialiste en cadrage et montage. Didier Ndenga travaille alors comme cadreur, monteur éclairagiste pour des chaînes de télévision nationales comme France 3, Paris ou des chaînes privées comme MCM. Le cinéaste Didier Ndenga réalise et produit sa première série télévisée Aimer Malgré Lui qui compte 70 épisodes de 26 minutes chacun, tournée entre Paris en France et Bangui en République centrafricaine. Ça va, doucement. Et toi? Moi, avec Lydie, ça faisait longtemps qu'on n'était plus au top. Hein. Et je vais te dire, hein, je t'en veux même plus. La série Aimer Malgré Lui relate l'histoire d'amour entre un frère et une sœur qui ignoraient tous leurs liens de consanguinité avant de se rencontrer. Quoi? La série traite donc de la question de l'inceste et de la séparation de famille. Peut-être qu'il n'a pas changé. Attends, papa. Qu'est-ce qui t'emmène par ici? Je voulais t'inviter à déjeuner. Il est 9h30, Roger. Tu crois? Notons que l'actrice principale de la série Aimer Malgré Lui, la centrafricaine Abby Touré, est l'épouse de Didier Ndenga, le réalisateur de la dite série diffusée sur TV5 Afrique. Ils ont créé ensemble la structure HD Productions qui veut simplement dire Abby et Didier Productions, structure basée à Paris. Laissez faire les autorités! Non! On n'arrêtera pas. On ne va pas rester là alors que l'une des nôtres est prisonnière quelque part. Ce cauchemar doit s'arrêter et il prend fin aujourd'hui. Les gens se lèvent un matin comme ça pour aller assassiner leurs voisins juste parce qu'ils ne sont pas de la même religion. Les musulmans allaient fêter la Noël avec les chrétiens allaient fêter l'Aïd avec les musulmans. Et ça se passait bien, ça s'est toujours bien passé. Il faut arrêter l'hémorragie. Et qu'est-ce qui t'arrive? Tu m'as l'air essoufflé. Il se passe que nos frères sont en train de s'entretuer. Bah alors pourquoi personne ne fait rien? Mais personne n'a jamais le contrôle sur personne. Je suis Pierre Lenoir, le serviteur de ses frères, on l'oublie pas. On a une urgence. Parfois j'ai l'impression d'être aux portes de l'enfer. On accueille de plus en plus de personnes. Il y en a qui demandent même à mourir. Je voulais que vous sachiez que vous pouvez compter sur moi. T'es complètement folle. Les réalisateurs d'origine congolaise comptent 7 films à son actif, notamment le long métrage Patte Blanche et Chinatown. As-tu osé me faire ça? Veux-tu m'épouser? Avec son film Chinatown,
Didier Ndenga remporte les prix du meilleur film Grand Prix africain du cinéma, de la télévision et d'éthique en 2014. Suis-je clair? Je te couvre financièrement et tu me couvres politiquement. C'est une menace? C'est indigne. Qu'est-ce qu'il y a? Produite par la maison HD Productions, la série River Hotel, diffusée sur TV5, a connu la participation de grandes stars telles que Eric Ebouané. J'avais pourtant dit, doucement Stéphane, n'écoute jamais. Charlotte Dipanda, Fally Ipupa, Abby Touré, Majid Mitchell, Franck Minani, François Turpère et tant d'autres. Didier Ndenga préparait donc la deuxième saison de la série River Hotel. La série a été tournée à Kinshasa en République démocratique du Congo avant sa mort, intervenue le 21 mars 2019 à Paris suite à une courte maladie. River Hotel, c'est une série télé qui parle un peu d'un très riche Congolais qui possède un très grand hôtel et puis il s'est retrouvé devant un inspecteur de police qui veut à tout prix de le faire tomber parce qu'il soupçonne le monsieur de ne pas avoir l'argent. D'avoir une origine, que son argent a une origine douteuse en fait. Voilà, donc finalement, c'est ça. Donc il y a des enquêtes et puis de l'autre côté, il y a d'autres choses qui se mélangent. Il y a pas mal d'intrigues dans River Hotel. Didier Ndenga était le tout premier réalisateur noir africain à être honoré par les Sénats français en remportant en 2018 le prix de la meilleure réalisation et production de l'année pour son style et son dynamisme dans la série River Hotel. La cérémoniale soirée des remises des trophées s'est déroulée le 7 décembre 2018 en la salle des fêtes du Palais d'Élysée à Paris. Retenons également que Didier Ndenga est aussi connu pour avoir réalisé de nombreux clips des stars de la musique ainsi que des grands concerts au Zénith de Paris comme celui de Georges Wassouf, Magic System, Koffi Olomide, Wera Son et Youssoufa, Papa Wemba ou encore 100% Maroc, 100% Tunisie. Alors qu'il était attendu à Kinshasa le 22 mars dans le cadre de ses multiples projets cinématographiques, le réalisateur a rendu l'âme à Paris où il résidait avant même d'effectuer ses déplacements. Didier Ndenga l'aurait fait encore plus si la mort ne l'avait pas arraché. Voilà, c'est par ici que nous bouclons votre magazine Bomoko Film. Vous qui voulez nous contacter, veuillez nous appeler au numéro qui s'affiche au bas de votre écran. Quant à moi, je vous dis au revoir et je vous retrouve prochainement.